Au drapeau! Dans l'histoire de France et de se rapprocher de l'histoire locale et plus particulièrement celle du CSP de Corbeil-Essonne est un véritable plaisir pour un chef. Naturellement, on ne vit pas avec le passé. Cependant, nous avons un véritable devoir de mémoire de perpétrer l'histoire en vis-à-vis de la population. L'histoire se répète très souvent, comme l'on peut actuellement le comprendre au travers de l'actualité quotidienne. Cependant, pour retracer l'histoire de notre centre de secours, ces quelques mots n'y suffiront pas. Plus de 200 ans d'histoire. 1813, date de la création de la compagnie des pompiers de Corbeil-Essonne, intervient pendant la déclaration de guerre de la Prusse à Napoléon. À l'époque, la compagnie comptait 37 membres. Sapeurs-pompiers. De tous les fonctionnaires français, il y en a plus de 5 millions, ce sont toujours les sapeurs-pompiers qui arrivent en tête de la préférence des Français, juste devant les infirmières. Alors, d'où viennent ces deux mots? À la fin du XVIIe siècle, à Strasbourg, on met en service deux pompes et un décret du 25 juillet 1635 précise qu'elles doivent être montées sur des roues et que deux hommes sont affectés à chacune pour tenir la lance et la diriger, ce en quoi ils doivent être bien instruits. J'ai une profonde affection depuis toujours pour les pompiers. Ces pompiers qui se dévouent jour et nuit pour vous, pour nous, pour nous sauver des incendies, des accidents, pour nous transporter à l'hôpital et quelquefois pour sauver la vie. Ce n'est pas par hasard que cela se passe ainsi. Ces pompiers, ils travaillent jour et nuit, ils sont toujours en alerte. Et pendant longtemps, ils ont disposé d'un tout petit possibilité d'action. Cette pompe à bras que vous voyez là-bas, actionnée par deux pompiers, alimentée par des seaux d'eau, on faisait la chaîne pour amener l'eau dans ces pompes. C'est avec ça qu'ils ont sauvé beaucoup de personnes à Corbeil-Essonne depuis 1813-1814.